Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, on vient d'entendre effectivement ces Français s'exprimer en région. Ce grand débat, pensez-vous, alors vous avez dit, vous avez qualifié ce grand débat d'entourloupe destinée à enterrer les gilets jaunes. D'abord, est-ce que vous maintenez, alors qu'il va commencer, il commence aujourd'hui, ah oui, vous maintenez cette vision? Je le maintiens. Vous savez, il y avait une chanson de Princesse Erika qui disait « trop de blabla ». Il me dit, cet homme-là, trop de tracas, j'ai donné déjà. Ben voilà, ça résume un peu ce que je pense. C'est la grande illusion, ce grand débat. Tiens, Macron nous refait le coup un peu de la présidentielle. À la présidentielle, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'était quelqu'un qui venait des cabinets ministériels, qui avait une responsabilité forte dans le bilan de François Hollande en tant que ministre. Et il s'est présenté en homme neuf, quasiment sur une ligne dégagiste. On va dégager les vieux partis, on va avoir un nouveau rapport au peuple. Puis bon, les gens se sont aperçus que c'était... En réalité, c'était une vieille politique, le néolibéralisme, ça a une trentaine d'années, et puis que c'était un monarque présidentiel qui s'installait dans la Ve République avec un groupe aux ordres. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un grand mouvement dans le pays, et il dit « je vais faire quelque chose d'inédit, un grand débat, etc. » Sauf que le problème, c'est moins le fait que les gens aient le droit de débattre ça. Ils n'ont même pas attendu pour débattre. Sur les ronds-points, ça débat tous les week-ends. Mais là, c'est formalisé. Oui, d'accord. C'est encadré. Donc les gens ont le droit de discuter. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pris. Et ils le prennent depuis un mois et demi, plus la grande mobilisation des Gilets jaunes. Le problème, c'est sur quoi peut-on décider et qui décide de quoi? Et à ces deux réponses, il nous dit sur quoi on peut décider, sur tout, sauf tout ce que j'ai fait depuis un an et demi. Donc, par exemple, tout ce qui remonte du mouvement des Gilets jaunes ou, par exemple, des cahiers de doléances. Il y a 3 à 5 000 mairies compris. Voilà. Rétablissement de l'ISF, renationalisation des autoroutes, plus de justice fiscale. Il y a des mesures concrètes. Ça, on n'en parle pas. Ça, hors de question de revenir sur la politique économique et fiscale. Bon, premier pan. Et puis, qui décide? On apprend qu'il y aura un débat. Alors, il induit des questions. Vous remarquerez que dans les questions, il induit déjà un peu les réponses. Si je vous dis, on parle de fiscalité, si je vous dis quel impôt on doit baisser, c'est pas la même chose que comment on traque les privilèges. Si je vous dis, au niveau des institutions, est-ce qu'il n'y a pas trop de parlementaires, c'est pas la même chose que dire, est-ce qu'il n'y a pas trop de pouvoir au président de la République. Donc, il est biaisé, selon voilà. Vous, ce débat. Et à la fin du fin, le pire, je pense, c'est qu'il nous dit, j'annoncerai en avril un nouveau contrat pour la nation. Bah, on ne voit pas très bien comment les choses vont se traduire, comment vont s'exercer ces majorités dans les débats. Moi, je vais vous dire, un nouveau contrat pour la nation, ça ne peut pas ne pas reposer sur le suffrage universel. Donc c'est soit une constituante, ce que nous proposons, si on veut tout revoir, parce que c'est le peuple qui doit décider, soit à minima des élections anticipées. Ça ne peut pas être le fait du prince à nouveau, Jupiter qui décide, parce que les gens ont compris que bah, derrière Jupiter, c'était le roi des riches et le président des riches en réalité. Monsieur Coquerel, donc vous appelez, comme certains, vos sympathisants LFI, ne pas se rendre à ce grand débat. Vous-même, vous n'y participerez pas et vous demandez à vos sympathisants de ne pas y aller? D'abord, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Moi, je mais vous avez le droit de donner votre... Oui, mais je veux dire, non, moi je n'y participerai pas. Je ne légitimerai pas quelque chose dont j'estime, je vous le disais tout à l'heure, que c'est la grande illusion et la grande entourloupe. Voilà. Imaginez, dire aux gens, vous pouvez toujours débattre, puis à la fin, c'est moi qui décide. C'est pas le débat nécessaire et la prise de décision nécessaire que le peuple français a le droit. Après, le mouvement est en cours de mouvement, parce que le mouvement n'est pas fini, vous allez voir ça. Comment vous voyez la suite justement du mouvement des Gilets jaunes? Mais il va continuer à s'amplifier. C'est ne pas connaître le peuple français que de ne pas comprendre que ce mouvement est tout sauf en passe de s'arrêter. D'ailleurs, regardez les chiffres depuis deux samedis. À chaque fois, ils doublent. Moi, je pense que samedi prochain, ça va être encore très important, même plus important sur que samedi. Sur quelle base? Mais sur la base du fait que les gens, justement, tiennent à le modèle social dont M. Macron vante dans toute la première partie de sa lettre, alors que ça fait un an et demi qu'il le casse en cassant le code du travail, en avantageant toujours les plus privilégiés, etc. etc. Ils y tiennent. Donc c'est déjà cette première base. Non au privilège, non à l'injustice fiscale. Et puis il y a justement aussi la question de la démocratie, la souveraineté du peuple. Qui exerce le pouvoir? Et à cette question, Emmanuel Macron dit en gros, bah, débattez et c'est moi qui décide. Donc sur cette base-là, moi, je peux vous annoncer que ça va continuer. Parce que les gens, justement, ils n'aiment pas le mépris, ils n'aiment pas qu'on leur dise « vous ne faites pas assez d'efforts », alors que tout montre l'inverse, que le peuple français est un des peuples les plus travailleurs en Europe, si ce n'est le plus travailleur. Je parle là de la productivité horaire qui est la meilleure en Europe. Donc il y a quelque chose d'insupportable et je pense que cette tentative de dégonfler le mouvement des Gilets jaunes, je pense que ce sera un échec. Merci beaucoup Éric Coquerel d'être venu donner votre sentiment ce matin, donc au jour de ce premier grand débat, enfin le lancement officiel, à vivre sur LCI dès 14h.